Salut. Je te suis? Ouais, pas de problème. Contrairement à Martin Fall, Blaise Kouassi vit actuellement une période difficile à l'image de sa saison. Victime d'une fracture du péroné le 8 août dernier lors de la deuxième journée de championnat à Bastia, le défenseur angevin éprouve de grosses difficultés à se remettre de sa blessure. Depuis, il n'a plus rejoué le moindre match. Du coup, Blaise se pose beaucoup de questions et envisage même, à 35 ans, de mettre un terme à sa carrière en fin de saison. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir un peu plus. Entretien. J'ai encore quelques douleurs au niveau de la cheville. Donc, je ne peux pas aller à vitesse grand V. Donc, je suis obligé d'aller selon le rythme du préparateur physique et selon les conseils du médecin. Parce que au fur et à mesure que j'essaye de forcer, j'ai des douleurs, j'ai des inflammations. Donc du coup, je ne peux pas, je suis obligé d'entrecouper les entraînements. Donc ce qui fait que je m'entraîne dans la semaine, peut-être 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc pour pouvoir revenir et laisser passer cette douleur. Voilà. Ça va? Par rapport à ce qu'on peut croire, c'est vrai que c'est difficile, c'est des moments que tout footballeur ou tout grand compétiteur n'aime pas avoir. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent dans la vie d'un grand compétiteur, donc des compétiteurs, disons. Donc aujourd'hui, je ne peux que me soumettre à ce qui m'arrive et essayer de bosser pour pouvoir revenir à mon meilleur niveau. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Qui n'a pas été facile à vivre pour moi. Et ça m'a amené à réfléchir plusieurs fois sur la fin de ma carrière. Et j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. J'ai un peu parlé avec Olivier. Pour le moment, 85-90% que voilà, j'arrête demain ou à la fin de la saison. Je la vis comme les joueurs au quotidien, même dans les vestiaires ici, on a. Comme on le prépare, comme tous les jours, on se retrouve ici, de la façon dont on le prépare ensemble. Donc, je me sens impliqué d'une part dans cette équipe. Donc, je sais que je suis amené, comme l'un des anciens, à donner des conseils de temps en temps aux jeunes frères qui sont là. Donc, je le vis bien. Je crois qu'on fait une très bonne saison et que si on continue à s'accrocher comme ça à notre position et qu'on ne décroche pas, c'est sûr que voilà, d'ici à la fin, on sera tous heureux.